Ce n'est jamais facile de pardonner. C'est plus facile de haïr, d'en vouloir à quelqu'un. Mais pardonner, ça c'est difficile. Parfois, les gens disent des choses qu'ils ne voulaient pas dire, ou font des choses qu'ils regrettent. Parfois aussi, on aimerait pouvoir revenir en arrière. Alors, on s'occupe l'esprit pour oublier la souffrance. Dresser la liste de tous les meneurs de jeu sans contrat de la NBA, vérifier si les Bobcats ont pris des contacts ou pas, appeler le gamin de l'Arkansas, lui proposer un contrat de représentation. Samedi, on sera le 14. Envoyer des fleurs. Tout le monde a peur de quelque chose. J'ai peur, Julian. On risque de tout gâcher. Qu'est-ce que tu veux dire? Cette joie quand je te revois après des semaines de séparation. Cette émotion quand je sens tes bras qui m'enlacent. J'ai pas envie de les perdre. T'inquiète pas. On les perdra jamais. J'avais peur. J'allais mourir. Mais dans les affres du désespoir, j'ai compris quelque chose. Mes actions passées font toujours partie de moi. Mais je peux évoluer et changer mon avenir. Hey, Clay! Tu viens au lit? Crois-moi, tu vas pas le regretter. Non, désolé. Il faut que j'y aille tout de suite. Reste dormir si tu veux. Plus tard, peut-être. Bah dis donc, on peut pas appeler ça un coup de foudre. Je crois pas à l'amour. Ça fait presque 37 millions de secondes. 10 000 heures, 14 mois. Depuis que j'ai réalisé que mes actes passés ne définissent pas mon avenir. Libérez-vous des erreurs que vous avez commises. Tirez un trait dessus. Votre cœur sera plus fort. Je m'y connais. Il y a bien longtemps que le mien aurait dû me lâcher. Ça ne veut pas dire que vos erreurs seront pardonnées. Il est plus de 4 heures du matin, Clay. Ouais, désolé, c'est important. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu reconnais cette fille? Oui, elle était à la fête à la maison, pourquoi? Elle dit que t'as couché avec elle après un match. Vos actions passées vous guettent. Et elle veut en parler à la presse. Elles ne s'effaceront jamais.